toutes ces vallées profondes. C'est la première fois que je vois un endroit pareil. C'est vrai, quel paysage surprenant. Ah, papa, regarde. Cela ressemble à une grotte. Oui, une très grande grotte. Zéphyr, tu peux diriger la montgolfière un peu plus doucement, s'il te plaît. Mais ce n'est pas moi, Babar. Elle se dirige toute seule. Quoi? Quoi? L'entrée se referme. Qu'est-ce qui se passe? Accrochez-vous bien, vous autres. Rien de cassé? Non, papa. Non, papa. Non, ça va aller. Ben oui, a priori, moi aussi, ça va. Mais c'est tellement sombre que je ne peux pas l'affirmer. Qu'est-ce que c'est? On dirait de la lumière. Allons jeter un coup d'œil. Je peux pas vous suivre. Quelqu'un est en train de marcher sur ma queue. Voyons, Zéphyr, c'est toi qui marches sur ta queue. C'est stupide, mais c'est ridicule. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Hein. Je vous ai tous bien fait marcher, avouez-le. Hein. C'est incroyable. C'est une formation calcaire. Qu'est-ce que c'est, papa? C'est une grotte formée de roches qu'on appelle le calcaire, qui a été érodée par des nappes d'eau souterraine. Cela a dû prendre des centaines de milliers d'années pour que cette grotte devienne si vaste. Vite, allons explorer. Oui, oui. Ça glisse, soyez prudents. Regarde de ce côté. Il y a un magnifique escalier. Et cette pierre a la forme d'une table. Et là, il y a une chaise. Oh, plutôt confortable pour un machin qui date de centaines de milliers d'années. Maman, regarde-nous. Oui. C'est génial, oui. Que se passe-t-il, Zéphyr? Quelqu'un vient de me tirer la queue. Oh. D'accord. Tout comme quelqu'un t'a marché sur la queue. Elle est bien bonne, celle-là. Oui. Oui. Youpi. Yahoo. Vous ne vous êtes pas fait mal? Les enfants, vous ne devriez pas faire les fous sur le toboggan. Oui, c'est dangereux. Nous ne faisions pas les fous. Quelqu'un nous a frappé au visage avec une branche. Que dis-tu? Eh ben voilà, c'est probablement le même monstre qui m'a tiré la queue. Oh, ne sois pas stupide, Zéphyr. Il n'y a pas de monstre ici. Voulez-vous? Qui êtes-vous? Aïe, 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 aïe. Edwin, si tu n'avais pas bougé là-haut, on ne serait pas tombé. Non, non, c'est ta faute, Kevin. Tu n'as pas maintenu l'équilibre à la base, je ne suis pas fautif. Pourquoi tu pleures? J'ai fait le plus dur, moi, au milieu. Qui êtes-vous? Moi, c'est Kevin. Moi, Robert. Et moi, Edwin. Vous avez devant vous les trois frères taupes. Et tous les trois, vous êtes parfaitement en cœur. Qui êtes-vous? Vous avez affaire aux trois éléphants explorateurs. Et vous aussi, vous êtes en cœur. C'était l'un de vous trois qui m'a...
m'a tiré la queue, avouez-le. C'est exact. On cherche toujours à faire un peu d'humour et embêter les autres personnes, c'est drôle, on rit toujours. Hein, c'est odieux. Mais c'est une excellente rime. Est-ce que vous vivez ici? Oui, c'est ici que nous vivons, au cœur du pays souterrain. Babar, nous sommes au cœur du pays souterrain? Oui, c'est probablement le pays de nos prochaines aventures. Ah, qu'est-ce que c'est? Ceci est la carte des pays de nos aventures. On a commencé à faire le tour du monde à bord d'une montgolfière. Oui, ça nous amuse beaucoup. Vous avez entendu mes frères? Une carte qui amuse beaucoup. Voilà, ça, ça me plaît bien. Merci. Eh oh. À quoi vous jouez? Elle est extrêmement importante. Rendez-la moi, s'il vous plaît. Oui, mais vous devez d'abord nous attraper. Par ici, par ici. Ça suffit. Rendez-nous cette carte. Attrapez-la. Oui. Attendez. Où sont-ils passés? Ils sont partis, je ne les vois plus. Coucou, hein? Ici. Si vous voulez la récupérer, venez la chercher. Nananère. Alors lui, il me tape vraiment sur les nerfs. Hé, hey, toi, roule-moi. Au revoir. Il est où? Ici. Je suis ici. Oh, je vais l'attraper. Au revoir. Ici. Je suis ici. À la prochaine. Coucou, je suis ici. Ici. Je suis ici. Au revoir. Il a encore disparu. Coucou, je suis là. Approchez, venez la chercher. Au revoir. Si vous voulez la reprendre, venez donc la chercher. Il est là. Coucou, je suis ici. Coucou, venez, je suis là. Les enfants, Zéphyr. Est-ce que tout va bien? Oui. On va bien. Oui, je vais bien. Allez, à plus tard, au revoir. On n'a pas réussi à récupérer la carte, papa. On a essayé, mais ils sont trop rapides pour nous. Ils sont partis maintenant et on ne pourra jamais les retrouver. Bien sûr que si. Allez, mettons-nous en route. Hé ! Attendez-moi ! Cela fait très très longtemps que nous circulons dans ce tunnel. Oh, c'est parce que c'est un très très long tunnel. Oh, je me demande jusqu'où les trois frères taupes sont allés avec notre carte. Eh ben, voyez-vous, peu importe la longueur de ce tunnel ou l'endroit où sont allés les frères taupes, moi, Zéphyr, je m'engage à poursuivre ma route et je ne m'arrêterai que lorsque j'aurai mis la main sur ces taupes et récupéré notre carte. Oh, je suis vraiment confiant. Je suis même déterminé. Je suis... Oh, fatiguée. Je crois que je vais m'asseoir un petit peu histoire de me reposer. Oh, regardez, de la lumière. Oh, que c'est beau. Nous sommes probablement arrivés au centre du pays souterrain. Oui, malheureusement, nous n'avons pas le temps de le visiter. Nous devons reprendre la carte des mains de ces maudites taupes. Coucou! Si vous voulez la récupérer, approchez, on vous attend. Oui, approchez, on est là. Oh, il commence vraiment à m'énerver, cela. Hé, hey, rendez-le-moi! Zéphyr, reste avec nous. Si on les pourchasse, ils vont continuer à nous faire tourner en bourrique. Nous devons tous nous concentrer pour mettre un plan au point. Non, je ne trouve rien. Chérie, que dirais-tu si... C'est une excellente idée, Céleste. Tu n'es pas seulement belle, intelligente et gentille.
Tu es très maligne et ça me plaît. Très bien, les enfants, voici notre plan. Vous irez avec votre mère de l'autre côté de la ville pour attendre les frères Taupe. Zéphyr et moi allons les pourchasser et quand vous les verrez arriver, vous les cueillez. C'est une idée géniale. Alors Zéphyr, allons-y. J'ai la corde, je te suis. À nous les enfants, allons-y. Encore vous, ça ne vaut rien. C'est encore vous. Arrêtez-vous, maudit semeur de pagaille. Kevin, ils sont toujours à nos trousses. Ah oui, ah, ils peuvent continuer tant qu'ils veulent. Mais ils ne nous mettront pas la main dessus. Hé, hey, les frères Taupe. La poursuite est terminée. Oh. Courez. Courez. Attrapons-les. Oh. Oh. Papa, le plan a fonctionné à merveille. On a attrapé les trois frères Taupe. Oui, regarde. Hein? Je ne vois absolument personne. Comment? Où sont-ils passés? Ils étaient pourtant là. Oh, chérie. Ils sont là-dessous. Ils sont en train de s'échapper. Oh non! Vous aviez cru qu'on se ferait prendre à votre piège stupide, hein? On est beaucoup trop malin pour ça. À la prochaine. À la prochaine! Arrêtez! Attendez! Oh, ils se sont encore échappés! Dites! Hein? Dites-vous là-bas, qui êtes-vous? Et pourquoi faites-vous un tel tapage? Je suis Babar, le roi des éléphants. Oh, je suis vraiment désolé, j'ignorais que vous étiez si important. Je vous en prie, excusez-moi. Vous pouvez nous aider? Les trois frères Taupe nous ont volé une carte extrêmement importante pour nous. Quoi? Les trois frères Taupe? Est-ce que par hasard, ils ne ressembleraient pas à ceux-là? Ce sont eux. Oh, j'aurais dû m'en douter. Ces trois frères Taupe sont des semeurs de troubles très connus de nos services. J'ai déjà reçu bon nombre de plaintes à leur sujet. Parfait. Vous pouvez les attraper pour nous? Oh non. Je suis désolé, mais leur cachette est un vrai labyrinthe. J'ai entendu des histoires sur des personnes qui y sont allées et qui n'en sont jamais ressorties. Mais comment allons-nous récupérer notre carte? Si vous pouvez nous indiquer où est leur cachette, nous nous y rendrons seuls. En quoi cette carte peut-elle être incroyable? Je ne vois rien du tout. Elle n'a rien d'amusant. Alors pourquoi on ne la leur rendrait pas? Tu veux la rendre? Oh, j'ai l'impression qu'elle est très importante pour eux, Kevin. Peut-être qu'on est allé trop loin encore une fois. Kevin! Ils viennent par ici! Quoi? Ils vont faire tout leur possible pour pouvoir la récupérer. Tu vois, Kevin, ça m'a l'air d'être important. Nous devrions... Edwin, tu vas te taire. Il nous évite des tas de problèmes en prenant la peine de venir ici. Profitons de la situation pour nous amuser avec ouais, eux. Ouais, faisons en sorte qu'ils se perdent. Oui, je dois reconnaître que c'est déroutant. Oui, ce n'est pas étonnant que tout le monde se perde dans ce dédale. Waouh, vous avez vu tous ces tunnels? Comment savoir où nous devons aller? Bonne question. Oh mais aïe! Que se passe-t-il, Zéphyr? Ce sont les Taupe! Ce sont les trois frères! Ils m'ont chatouillé la nuque! Je ne vois personne. Je crois que tes semeurs de pagaille ne sont que de simples gouttelettes d'eau, Zéphyr. Oh, je le savais. Regardez, par terre, là-bas. C'est la carte. Peut-être que les trois frères Taupe l'ont perdue. Oui. Les enfants. Restez là, n'y allez pas seuls. Revenez. Elle bouge chaque fois qu'on veut.
peut s'en approcher. Tu vois, c'est exactement ce qu'on disait. Oh, je viens de comprendre. Et tu viens de comprendre? Mais qu'est-ce que tu viens de comprendre? Vous, attendez sans bouger. Oh, papa! Je te tiens. Oh. Ce sont les trois frères Taupe. Oh, non. Sauvons-nous, Kevin. Attendez. La voix d'un des frères Taupe. C'est Edwin, c'est le plus jeune des trois. Et s'ils nous jouaient encore une de leurs sales blagues? Mais si ce n'était pas le cas. Mais où tu vas? Attends. Oh! Les enfants, faites attention. Je les vois là. Oh. Oh, Kevin, Robert, allez, je ne sais pas nager. Attrape ça, Edwin! Edwin, accroche-toi à cette branche! Oh non, je dois sauver Edwin! Kevin, tu ne sais pas nager toi non plus! Oh non, Robert, lâche-moi! Je ne suis pas Robert. Quoi? Oh. Mais je sais nager, laissez-moi le sauver. Baba! Oh non, papa est emporté à son tour. On est sauvé. Edwin! Kevin! Robert! Je suis si content que tu sois sauvé. Tu n'as rien, mon chéri. Je vais bien, grâce à Zéphyr. Merci. À quoi servent les vrais amis? Babar, vous avez sauvé notre petit frère. Merci. Votre frère a failli périr parce que vous avez voulu semer la pagaille, voilà! Tu as raison. Faire trop de malice peut provoquer de terribles accidents. C'est vrai. Et nous sommes désolés. Alors pourquoi vous semez toujours la pagaille? Oui, le policier prétend que vous troublez toujours l'ordre. C'est parce qu'il n'y a aucune occupation dans le pays du souterrain. On ne s'amuse pas ici. On trouve toujours des occupations. Vous devez apprendre à vous amuser seul. Que voulez-vous dire? Servez-vous de votre imagination. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire. Inventez de nouveaux jeux. Il y a une très grande grotte calcaire située à l'entrée de votre pays souterrain. Oui, elle pourrait servir de terrain de jeu. Si nous réfléchissons tous ensemble, je suis sûre qu'on pourrait l'aménager en super terrain de jeu. Youpi! Vous voyez, on s'amuse bien, vous ne trouvez pas? Oui. Ça peut servir de balançoire. Ce truc, ça ressemble à un cheval à bascule. C'est super chouette. Venez l'essayer. On arrive. Youpi. 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 Eh bien, j'ai l'impression que les trois frères Taupe vont arrêter de troubler l'ordre. Oui, ils ont l'air de bien s'amuser. Que se passe-t-il, Zéphyr? Quelqu'un vient encore de me tirer la queue. Oh, c'est Ralph, le quatrième frère Taupe. Prends garde à toi. Ouais, c'est bien.